c'est complètement différent, oui. Ouais, c'était baliné aussi, mais c'était un orchestre avec seulement 4 notes. Mais minimum vraiment confortable, je dirais, j'ai envie de dire 12 personnes, une douzaine de personnes. Hey semuanya, kembali di channel saya Didi Lejawane. Berikut ini adalah wawancara kedua saya dengan salah satu anggota grup gamelan di Jenewa. Beliau ini sangat mencintai kesenian tradisional Indonesia dan sudah sering berkunjung ke Indonesia. Awalnya saya heran dan sempat bertanya-tanya sendiri, kok ada ya grup gamelan di Jenewa? Dan akhirnya saya tahu jawabannya. Meski demikian, saya tetap heran dan kagum juga sih. Ternyata ada aja ya yang melestarikan gamelan di Jenewa. Pertanyaan-pertanyaan sederhana yang saya ajukan ke beliau ini kurang lebih sama seperti yang saya tanyakan ke Ibu Pascal di interview bagian pertama. Seperti sejak kapan bermain gamelan, kenapa gamelan, dan lain sebagainya. Namun jawaban-jawabannya tentu berbeda dan pastinya menarik untuk disimak. Kalian tahu ada berapa jumlah instrumen yang terdapat di gamelan? Lalu, berapa durasi dari satu permainan gamelan? Kalian pasti penasaran. Baik, sebelum melihat wawancara saya dengan musisi gamelan ini, saya ingatkan kembali kepada kalian yang belum klik subscribe channel saya, silakan klik subscribe dan press bell icon-nya ini supaya kalian mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Wawancara saya dalam bahasa Perancis dan seperti biasanya saya akan berikan subtitle supaya kalian dapat mengikuti wawancara ini. Sekarang yuk simak obrolan kami. Bonjour tout le monde, en face de moi c'est un musicien de gamelan. Je vais lui demander de se présenter avant de poser les autres questions telles que s'il avait combien d'années qu'il jouait de gamelan, pourquoi le gamelan, pourquoi pas la guitare par exemple. Et comme vous avez entendu parler à tout à l'heure que ça m'a étonné beaucoup qu'il y a un groupe de gamelan à Genève qui de temps en temps s'entraîne pour améliorer la compétence. Alors maintenant, la date et les lieux et la forêt. Alors, en tout cas, je m'appelle Alexandre Janson. Je suis français, j'habite à Genève depuis, je crois, 1985. Donc ça fait un certain temps déjà. Ouais. Et puis à Genève, j'ai commencé à découvrir le gamelan, car il existait un groupe déjà. Un groupe de gamelan Angloun. Ah. Oui. Donc c'est pas les mêmes instruments qu'on a maintenant ici. Ah oui, c'est complètement différent, oui. Ouais, c'était baliné aussi, mais c'était un orchestre avec seulement 4 notes. Seulement 4 notes. 4 notes ouais. Non, je ne connais pas du tout avec les notes parce que je ne suis pas musicien, du coup ça m'intéresse aussi. Oui. Continuez. Et ben, j'ai rejoint ce groupe et c'est là que j'ai appris à jouer la musique balinaise. Voilà. Ah oui ouais. Bon, ça fait très longtemps, ça fait déjà très longtemps. Oui. Mais il y a eu beaucoup de pauses, enfin de on et off en fait. Voilà. Ouais. Donc j'ai pas, c'est pas des années avec un apprentissage continu comme ça. C'était plutôt des périodes où on apprend des morceaux, des techniques, et des longues périodes sans rien. Voilà. Merci Alex. est-ce qu'il y a une raison principale ou une raison unique pourquoi vous êtes intéressé par le gamelan? C'est une question très intéressante, c'est pas si simple à répondre. Je dirais que dans mon enfance, j'étais déjà très sensible aux cultures différentes. Donc de tous les continents, n'est-ce pas? Pas seulement Indonésie ou Asie. J'avais une certaine sensibilité à toutes les cultures, y compris les musiques différentes. Donc d'Afrique, d'Amérique latine, Moyen-Orient, de Chine, de Japon. Et le gamelan aussi, donc d'accord. Oui, depuis l'enfance, ça a commencé, je dirais que ça a commencé comme ça. Ouais. Comment vous organisez l'apprentissage parmi votre ami? Eh bien, on a des profs, on connaît des profs, des amis ou des profs qu'on invite, qui eux connaissent bien la musique déjà, leur profession c'est d'enseigner déjà. Et aussi en voyageant à Bali, on a appris sur place aussi.
quelques morceaux. Et puis sinon, entre nous, on s'est surtout s'entraîner et étudier. J'entends pas. Ouais. Beaucoup de travail comme ça. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est difficile de jouer gamelan parce que Pascal m'a dit que c'est pas tellement facile. Je suis d'accord, c'est difficile, mais il faut essayer de le prendre comme si c'était pas une chose innée, mais d'une manière naturelle, de jouer d'une manière naturelle. Pas trop académique ou artificiel, mais plutôt d'essayer de le sentir, de sentir ce qu'on joue, pas seulement jouer parce qu'une note se trouve là et une note nous dit de jouer là, mais plutôt d'essayer de comprendre comment le rythme fonctionne. C'est pas forcément facile, mais si on arrive à comprendre ça, après l'exécution sera peut-être plus facile. En tout cas, c'est ce que je crois, ou que j'aimerais croire. Merci. Et d'autres questions, je voudrais savoir. Oui. Et il y a combien d'instruments dans le gamelan et combien de personnes vous avez besoin d'avoir un bon son? En tout cas, notre ensemble contient environ 31 instruments, je crois. 31 instruments. En tout, oui. Ouais. Mais pour jouer un répertoire précis, une vingtaine, 20 instruments peuvent suffire. D'accord. Pour être complet, c'est disons. 20 instruments, ouais. Mais pour être présentable, déjà à 12 personnes, c'est possible. D'accord, pour faire du balinais. Ouais. En tout cas, ce qui est le plus commun, répandu comme musique balinaise. Je dirais, j'estimerais à 12 personnes, le son est déjà bien. Ah, d'accord. Voilà. Mais il y a toujours de la place pour jusqu'à intégrer encore 8 personnes ou plus. Ah, c'est intéressant. Ouais. Oui, oui. C'est minimum. On peut dire, un minimum vital. Ouais. Minimum vital, ce serait peut-être 8 personnes, 9 personnes, mais minimum vraiment confortable, je dirais, j'ai envie de dire 12 personnes, une douzaine de personnes. Ouais. Voilà. Et merci. C'est intéressant. C'est un peu technique. Savoir ça. Mais... Et ce que je voudrais savoir aussi, c'est... Combien de genres de gamelan que votre groupe peut jouer? Ce qu'on peut dire déjà, comme tu sais déjà, on a déjà joué sur le gamelan javanais de la mission et on a nos instruments balinais. Ouais. Donc déjà, c'est deux grandes traditions musicales différentes, ou on pourrait dire genre de gamelan. Donc on pourrait dire déjà, il y a ces deux grands grandes traditions qu'on joue. Ça dure combien de temps pour une chanson? Alors dans ce que nous, on apprend, le genre de répertoire qu'on apprend, c'est typiquement des morceaux qui font de 3 minutes à 8 minutes. 3 minutes ou 8 minutes? Un morceau donné. Waouh! That's quite long. Alors c'est un morceau, mais même un morceau donné, on peut choisir le nombre de répétition, par exemple dans la partie B, imaginons qu'un morceau est de 3 ou 4 parties, A, B, C, D. Ouais. Il y aura peut-être une grosse partie comme la partie C, et cette partie-là, on peut faire une fois ou deux fois ou trois fois. Donc on peut adapter la durée totale du morceau en faisant tourner beaucoup ou peu de fois la partie C. Waouh, je voudrais dire que votre groupe, c'est très professionnel, hein? Ah, parce que vous pouvez adapter selon le... comment on dit, la caractère. Ou bien, si on joue le morceau plus lentement, ouais, ça va prendre plus de... On va gagner en quelques minutes. Waouh, c'est génial. C'est assez flexible. Si vous voulez, je perçois cette musique comme une matière élastique. Pour moi, le gamelan, c'est quelque chose d'élastique. Karet, jam karet. Vous êtes en Indonésie. Le gamelan, à mon avis, reflète bien ça. Ah oui. C'est surtout gamelan java ou gamelan dali? Les deux. Tous les, oui. Par exemple, dans le javanais, il y a la notion de irama. Irama. Ouais. Pour moi, c'est une belle illustration de l'aspect élastique du gamelan. C'est-à-dire que les notes importantes, on peut les étirer ou les compresser. Et alors, plus on les étire, plus il y a de la place de mettre des jolies petites décorations entre les notes. Plus on compresse, plus ça sera une musique simple ou rapide.
mais il y aura moins de place pour des petites décorations. Donc au lieu de décorer à l'intérieur entre les notes, on va décorer autour des notes avec de la colotomie. Très bien. Alors oui, pardon. Très intéressant. Colotomie, c'est un terme un peu technique. La colotomie, c'est un peu mesurer le temps ou marquer le temps. C'est un peu ce que font les gongs. Les gongs petits et grands. Ouais. Qui délimitent les mesures ou les cycles. Voilà. Merci Alex pour nous donner l'information. C'est très très impressionnant. Et je suis très curieux comment vous faites avec le gamelan, l'instrument. Et tout de suite, on va regarder le gamelan, comment il joue. Avec plaisir. Ouais. Oui. Merci. Oke guys, kalian sudah dengar dan lihat sendiri jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ke Pak Alex ini. Sekarang, biarkan saya merangkumnya. Pak Alex ini sudah mengenal atau sudah bermain alat musik gamelan sejak lama. Beliau ini memulainya saat bergabung atau saat menemukan grup gamelan saat itu namanya Gamelan Angklung yang hanya memiliki 4 notes. Ketertarikan beliau ini terhadap musik gamelan sudah sejak lama. Bisa saya katakan bahwa jiwa seni beliau ini sudah ada sejak lahir. Saya sendiri baru tahu bahwa jumlah alat atau jumlah instrumen gamelan ini ada sekitar 30 satuan. Dan untuk mendapatkan sounds atau musik yang bagus, alat-alat gamelan ini dapat dimainkan sebanyak 20 orang. Dan minimalnya bisa dimainkan 10 orang. Jadi untuk mendapatkan musik alunan gamelan yang bagus, at least 10 orang, beliau menyampaikannya. Mengenai durasi, berapa lama permainan gamelan itu sendiri, paling sedikit menurut beliau adalah 3 menit dan paling lama 8 menit. Dan itu juga bisa diadaptasi sesuai keadaan. Mengenai ketersukaan atau ketertarikan beliau, apakah lebih tertarik, lebih suka dengan gamelan Jawa atau gamelan Bali? Penjelasan lebih detailnya akan saya sampaikan, akan saya berikan di video selanjutnya. Sekarang kita lihat cuplikan bagaimana beliau memainkan gamelan. Oke? Guys, thanks a lot for watching this video, and if you like this video, please don't forget to give your thumbs. Feel free to share, and your comments are also welcome. I'm Didi Rejavani. See you again in the next video.